Hello tout le monde, je viens d'essayer d'aller au meilleur endroit de ma maison pour avoir le max de luminosité. Du coup, je vous fais cette petite intro pour le vlog numéro 1 de la chaîne. Voilà, le premier d'une longue liste. Parce que comme vous l'avez vu, j'ai une nouvelle chaîne YouTube et voilà, j'espère créer ce petit renouveau avec vous. Excusez-moi un peu pour cette petite voix du matin et cette tête vraiment pas potable. Mais bon, ici on est naturel et on s'en fiche un peu, donc c'est pas grave, on fera avec. Et c'est parti pour passer la journée ensemble, ça va être chouette. On va simplement faire un petit make-up basique, simple, parce que j'ai pas besoin d'aller voir ma conseillère avec un make-up de soirée disco, voilà. Voilà, du coup pour ma tenue j'ai opté pour un petit haut simple et fin noir et puis un simple jean, voilà, je vais pas y aller en pantoufle, vous inquiétez pas, j'ai mes chaussures en bas. On va aller voir le petit bonhomme là, il attend de manger depuis tout à l'heure, mais j'ai préféré faire mon vlog. Moi je suis méchante hein, je suis méchante, hein, c'est vrai je suis méchante, je m'occupe pas de toi, je m'occupe pas de toi bébé. Voilà, du coup on est dans ma cuisine, on se retrouve ici et on va donner à manger au petit bonhomme là qui n'arrête pas de me réclamer. Voilà, ah non je vais donner sa récompense déjà, il allait m'avoir. Alors ce chien, je vais vous expliquer, c'est un estomac sur pattes, vraiment. C'est à dire que tu viens de lui donner à manger et il redemande à manger et il redemande à manger et il pourrait manger à l'infini comme ça vraiment. Regardez, on lui a appris avec ma mère à obéir aux doigts. Donc tant que mon doigt ne va pas vers la gamelle, il va pas bouger. Petit cœur. Voilà, du coup j'étais en train de vous expliquer que ce petit bonhomme là est un estomac sur pattes. Regardez, regardez, hein, il y a déjà plus rien dans la gamelle. Alors il est vrai que je n'ai pas une caméra super pro, je filme avec mon téléphone, j'ai pas des vlogs de malade où je suis aux Maldives ou à Bali, mais... Mon but c'est de partager, d'accord, c'est de partager ce que je fais, mes angoisses et que les gens se reconnaissent dans ce que je fais, puisque il y a beaucoup de gens qui n'osent pas comme moi faire des vidéos et qui n'ont pas le courage ou qui n'ont pas assez confiance en eux, et c'est ça que je veux régler, c'est d'abord ma confiance et ensuite aider les autres à pouvoir à créer des vidéos et vivre de leur passion, puisque c'est très important de faire ce qu'on aime. Alors on va faire un petit peu de luminosité dans ce salon parce que ça manque énormément. Voilà, du coup j'ai préparé mes petites chaussures. Il y a un bête de contre-jour horrible, il y a les poils d'Imanol dessus tout le temps, ce chien perd ses poils sur tous mes vêtements et toutes mes chaussures. Voilà les petites chaussures puisqu'on va pas y aller en pantoufles comme je vous l'ai dit. Et là-dedans j'ai préparé tout ce dont j'ai besoin, j'ai noté les références par rapport au métier que je veux faire et au potentiel débouché qu'il pourrait y avoir. Mais vraiment aujourd'hui je suis super stressée parce que on va dire que c'est un petit peu mon avenir qui se joue avec ma conseillère, parce que c'est un rendez-vous super important que j'ai déjà loupé une fois à cause de problèmes de santé. Du coup c'est super important pour moi, vraiment, vous savez même pas, mon cœur il bat à 100 à l'heure depuis ce matin. Alors déjà que j'ai pas dormi, je suis super stressée et j'espère arriver devant elle et trouver les mots, pas perdre tout ce que j'ai préparé, voilà.
On se retrouve tout à l'heure. Alors du coup, je viens de commencer le montage de la vidéo et je me rends compte que je filme comme ça, genre en bas. Je sais pas pourquoi, parce que je suis tout le temps en train de filmer comme ça. Et depuis ce matin, bah tout le début de ma vidéo, vous allez me voir comme ça là, un petit peu vers le bas, mais c'est pas grave. Et deuxième chose, je me suis maquillée et lavée et coiffée et j'ai pas brossé mes dents. Voilà, je viens de m'en rendre compte, du coup je vais aller le faire maintenant. J'ai pris mon petit déjeuner, ça je voulais pas filmer mais j'ai juste mangé un bol de céréales, c'est pas très intéressant. Alors vous allez me dire oui il est midi 20 mais bon je me suis levée assez tard, j'ai fait nuit blanche comme je vous l'ai dit, enfin pas totalement blanche puisque j'ai dormi mais j'ai pas très bien dormi on va dire à cause du stress. Du coup je vais aller me brosser les dents et je vous rejoins sûrement tout à l'heure, je sais pas si je vais faire d'autres rushs, voilà. J'étais en train de chercher le mot, vous savez que j'ai mis 1 minute 30, j'ai coupé la caméra pour chercher le mot rush. Vraiment, ça fait trop longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai même plus les mots vraiment. Voilà, je vais arrêter de blablater parce que je parle pour rien, même si c'est un vlog assez naturel. Je vais vous retrouver tout à l'heure, j'espère que mon rendez-vous va bien se passer. Pour l'info, c'est à 14h, du coup dans 2h je dois être là-bas, je vais exploser vraiment intérieurement, extérieurement. Bon du coup je suis sortie de mon rendez-vous et ça s'est plutôt bien passé on va dire. Je vous expliquerai plus en détail quand mon projet sera finalisé avec ma conseillère puisque là pour l'instant c'est encore un petit peu brouillon on va dire, mais voilà. Si vous avez remarqué, je suis à McDonald's puisque nous mangeons à 16h. Nous goûtons. Bref, on est en décalé en ce moment, enfin voilà. Faut qu'on reprenne un rythme et faut qu'on essaye de se motiver. En tout cas, voilà, ça s'est bien passé. Je suis contente, c'était ma hantise du jour. T'as quelque chose à rajouter? Bienvenue au McDo et bon appétit. Bon, du coup, on sort du McDo. On a bien mangé à 16h parce que j'avais rien dans le ventre depuis ce matin et... nous allons chercher un petit maillot de bain pour monsieur. En fait, toi, tu fais une journée avec nous? Parce que ça s'appelle un vlog, monsieur. Oui, non mais... parce que monsieur n'a pas de maillot de bain et nous partons en vacances dans 2 jours. Du coup, pour la piscine, c'est un peu chaud parce qu'il n'a pas de maillot de bain. Donc, on va essayer de lui en trouver un stylé. Ouais, mais un truc simple, noir, je m'en fous. Ouais, il est pas chiant. En plus, il y a les moins 50%. C'est génial. Du coup, je sais pas si je vais filmer dans le magasin, mais on se retrouve tout à l'heure. Oui, c'est que t'as pas le droit. On sort de CA et on est rentré bredouille. Enfin, on est sorti bredouille du coup parce qu'il n'y avait pas de maillot de bain pour hommes, ni pour femmes d'ailleurs. Oui, il n'y a pas de maillot de bain. Et nous allons en direction de Gémeaux pour voir s'il y a des maillots de bain. Le soleil m'aveugle la gueule. Regarde le stockage, moins 70%. Waouh! Bon, c'est pas un maillot de bain, c'est un caleçon. Qui a trouvé? Ah merde, je suis en portrait. Ah, ça fait le focus, ça y est. Joli. Bah j'aime bien faire un portrait parce que comme ça c'est flou derrière. Alors vous avez trouvé votre bonheur monsieur? Non mais je vais demander directement. Oui, demande directement, c'est bien ce que je t'ai dit. Nous sortons du Gémeaux, toujours pas de maillot de bain parce que MedicSixy le youtubeur décide de s'acheter un maillot de bain début août alors que les gens normaux ils s'achètent un maillot de bain avant l'été. Hein. Les gars regardez ce que nous avons acheté. Je vais faire un petit couscous là demain. Du coup pour le maillot de bain... j'ai pas de maillot de bain mais j'ai pris un caleçon frigueul et le textile ouais, ça vous fait savez, genre maillot de bain. C'est les boxers un peu maillot de bain. Donc j'espère que ça passera, Inch'Allah, comme on dit. On verra, mais clairement ça ressemble à un maillot de bain donc ça va passer. Fin de la balade, nous avons trouvé un petit maillot de bain pour Mehdi et vous verrez le maillot de bain en question pendant les vlogs de vacances. Et voilà, je suis épuisée parce que j'ai pas l'habitude de sortir. Surtout en ce moment, donc ça m'a fait du bien. Mon cœur bat super vite, mais ça m'a fait du bien au cardio. Je vais vous montrer un peu ce que Mehdi est en train de faire dehors. C'est trop drôle. Il est en train de se bagarrer avec les feuilles. Mais je le remercie parce que c'est moi qui étais censée faire ça. Donc voilà. Merci à cet homme courageux et brave de se battre contre les... contre les lières. On dirait qu'il va combattre un dragon. Pour un petit vlog, c'est pas hyper intéressant pour une première vidéo, mais bon, au moins vous avez passé la journée avec nous, vous avez un peu vu ce qui s'est passé.
Et de toute façon, on se retrouve pour de nouveaux vlogs d'août de cet été. Voilà, on va partir en vacances, donc vous allez avoir plein de souvenirs avec nous. J'adore. Et mon but, c'est juste de partager ça avec vous, de vous transmettre ma positivité, en fait, un petit peu. Même si moi-même, j'ai du mal parfois à en avoir. Voilà, je vous la transmets, le peu que j'ai. Et voilà, je vous fais plein de gros bisous. Merci de me soutenir sur les autres réseaux sociaux, parce que YouTube, j'étais pas du tout active depuis un moment, mais là, je vais reprendre. Donc, merci à vous de me soutenir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, abonnez-vous, parce que ma chaîne, là, mes 600 abonnés, ils sont partis en fumée. Et voilà. Aimez-vous les uns les autres.